Salut à tous, et on se retrouve pour le dernier boss de Cœur de Magma, la deuxième aile de Mont Roche-Noire, l'extension d'Erson. Cette fois-ci, on affronte Ragnaros, dont le pouvoir héroïque est de infliger pour 2 points de mana 8 points de dégâts à deux héros aléatoires, à deux adversaires aléatoires. Par contre, avant, vous affrontez Majordomo Executus, dont le pouvoir héroïque est de popper un 3-3. Donc, face à Ragnaros, vu que son pouvoir héroïque fait quand même extrêmement mal, il nous faut plein de serviteurs. Donc du coup, on va prendre le paladin. Donc c'est un deck assez proche de celui que vous retrouvez sur le ladder. Y a pas, j'ai un peu modifié le mien pour affronter ce héros. J'ai rajouté une deuxième égalité. Dans mon deck classique, j'en ai qu'une. Mais cette fois-ci, pour se débarrasser de ces gros serviteurs, on prend deux égalités, évidemment pour les combiner avec consécration pour nettoyer le plateau. Si vraiment il en a beaucoup, on peut toujours prendre MCT. Et Kel'Thuzad va nous permettre de faire revenir les serviteurs qui seraient morts avec le pouvoir héroïque de Ragnaros. Bah, sauf si Kel'Thuzad lui-même est tué, hein, évidemment. Du soin quand même, avec Anti-Killbot et Lay on Hands, mais c'est à peu près tout pour les soins, quoi. Ragnaros is most trusted minion. Let's see if we can force him to summon the Fire Lord for us. Yes. None may challenge the living flame. I will fight with honor. Hunt them down. Donc son pouvoir héroïque, lui, c'est pour deux coups en mana, invoquer un 3-3. Justice. The Fire Lord calls for the Majordomo. Engaging TC-130 mental dislocator. Peace works.
no time for games. Reporting for duty. Who are you? Let's get busy, girls! At your command. For the Major Domo. Survive. Reporting for duty. For justice. For the Major Domo. J'ai fait une erreur, j'aurais dû utiliser mon épée une dernière fois quand même. C'était un peu ballot. Let none survive. For the Major Domo. The battle for justice. Reporting for duty. The battle. The battle. The battle. Duty calls. At your command. For the Major Domo. The battle! Duty call! At your command! Reporting for duty! The battle! The battle! For justice! Job done! Donc maintenant qu'on a égalité et consécration, on peut aller attaquer le héros adverse. Donc normalement il devrait commencer à popper ces géants de lave là. Donc nous on a 3, 6, 7, 8, 15, donc on a assez pour invoquer Ragnaros. Donc c'est soit je le laisse à un point de vie et j'attends qu'il pose tous ses géants. Et je fais la deuxième égalité, ou alors je l'invoque tout de suite. Je pense que je vais commencer à nettoyer gentiment. The battle! The battle! Justice. Reporting for duty. For the Major Domo.
was ancient when this world was young. Mortal insects, you dare trespass into my domain? Donc cette fois-ci, Ragnaros, il a 30 points de vie et 30 points de bouclier. En mode normal, il a 8 points de vie et 8 points de bouclier, donc c'est pas tout à fait, pas tout à fait la même chose. Reporting for duty. The battle. The battle. Reporting for duty. Put your faith in the light. The battle. The battle. The battle. Ce qui est amusant, c'est qu'il n'a pas utilisé son pouvoir héroïque. C'est quand même bizarre. Reporting for duty. The battle! The battle! The battle! Don't test me, child. Don't test me, child. Reporting for duty. The battle! The battle! The battle! The battle! The Fire Lord calls. The battle! The battle! The battle! The battle! The battle! Don't test me, child. My seal for Arga, my seal for Arga. Battle. The battle. The battle! The battle! For justice! You've done it! The mountain is mine! Mine! Donc voilà, troisième héros, troisième boss en mode héroïque de la deuxième aile. Voilà, bon, avec le deck paladin, c'était quand même relativement facile. Donc la seule subtilité, c'est avant d'infliger beaucoup de points de dégâts à Majordomus, il faut être sûr d'avoir égalité consécration. Sinon il va s'amuser à vous popper 5 géants de lave en même temps. Et ça peut être compliqué à gérer si vous n'avez pas ces cartes là. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé à affronter ces boss-là. N'oubliez pas de visiter notre site www.grabetest.com et n'hésitez pas à aller lire les différents articles, news, tests et à faire vos commentaires pour dire si vous aimez, si vous aimez pas, les suggestions, etc. Voilà, merci, à bientôt.